Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères sœurs, gros coup de chapeau pour nous tous. Nous comptons, comme d'habitude, rentrer la caillou sous taxe 509, tout haïtien connecté, dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Nous continuons pour tes informations pour vous, nous continuons à brasser l'idée sous tout petit détail important qui a dominé l'actualité. Haïti politique, depuis après 86, depuis après. Et dictature du Duvalier-Ristan, pour nous rentrer dans la démocratie, toute grosse décision importante, toute grosse décision politique qu'a pris dans le pays d'Haïti, dans une façon ou bien une autre, États-Unis toujours influencé dans la décision sa yo. Et dernière décision politique en date, c'est arrivé mettre campé au Conseil présidentiel transition. Qui gagnait 7 présidents plus 2 observateurs, qui coûtait peuple haïtien les yeux de la tête, qui coûtait nous en pile l'argent. Mais ça pas suffit, ça pas campé là. Malgré Zamak Bal a sorti dans pays États-Unis, matin, midi, soir, pour venir alimenter gang, pour venir alimenter violence criminelle dans la coupe pays d'Haïti. Même États-Unis sale mette barricade, l'armée d'Haïti c'est sous contrôle li, c'est yo pour prendre vos décisions yo. Dans ce sens, États-Unis li monte un plan pour Haïti gagner une force multinationale qui déploie la dol. Dans le moment côté force lan fin déployer dans pays yo, gagner un pile causé k'ap pale, gagner un pile l'autre alternative qui sous table. Côté pour yo ta fon coup de guidon pour yo changer force multinationale lan en yon mission de maintien de la paix en yon mission onusienne. Gentil proverbe créole lan dil, c'est pas les dominants jour pour ranger cabane nous. Yon jour avant visite, secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la coupe pays d'Haïti qui programmé pour demain jeudi 5 septembre 2024 lan. Gen un paquet gros tonton décision, gen un paquet gros annonce ka fait par bon côté équipe qui sous pouvoir par bon côté gouvernement Gary Conil. Dans ce sens, nous gagnons ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis qui c'est une ministre cap sous table discussion yo cap sous table dialogue là l'hypothé déjà de très bonnes nouvelles. Pour la police, l'hypothèse gros nouvelle pour frontière Haïti-République dominicaine. Ministre parle, nous prenons gagner tout détail, puisque intervention ça qui est extrêmement important, nous potel pour vous, rete connecté. Yon lot bon Miami Herald écrit un article, côté que États-Unis, dans le moment où nous parlons à la, li gagne gros manœuvre que la fait. Dans le cadre de force multinationale. Et dans ce sens, nous gagnons chef mission Kenya, Godfrey Otenge, qui lui-même lui parle, nous prenons gagner tout détail yo pour nous connaître qui position Kenya, qui position policier Kenya yo dans tout ce qui concerne et bif, qui concerne tac au tac qui a gagné entre policiers haïtiens et policiers Kenya yo. Yon l'autre bord, dans dossier politique sécurité, nous gagnons gros accusation qui pesait dans moment là sous dos commissaire Muscadet. Nous avons remarqué bien prensam bien prétend pour faire liaison dossier politique sécurité puisque commissaire Muscadet il gagne en face li des hommes politiques très forts. Qui a plusieurs reprises commissaire a été déclaré qui fait tentative assassinat sous lui. Dans question sécurité, nous connaissons bataille Muscadet a mené pour préserver ti cal sécurité qui gagne dans Miragouane à région des Palmes. Nous gagnons organisation RNDDH Pierre Espérance qui lui-même qui l'a déguidon fok yo révoqué Muscadet. Et non moment n'a parlé à dossier commissaire Muscadet il prend une autre dimension. C'est pas seulement un dossier qui gagne organisation qui défend droit moun en Haïti qui implique la dedans
gagner l'autre acteur international qui ont même rentré dans le dossier pour porter renfort by RNDDH Pierre Espérance. Nous pourrons partager tout détail, toutes informations si là avec vous. Déjà, on a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter, abonner, activer petit cloche de notification comme ça, ou après t'es connecté avec nous ou pas rater aucun dans vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. N'a commencé émission avec un article qui sorti matin en bonheur dans colonne Miami Herald. Article si là, mettez titre là pour nous. Exclusif, les États-Unis souhaitent transformer la mission du Kenya en Haïti en opération de maintien de la paix de l'ONU. Il y a une question qu'a posée suite avec l'article ça. Pour qui ça c'est Kounia? Est-ce que les États-Unis reconnaissent l'inefficacité de la force multinationale? Est-ce que les États-Unis sentent la force multinationale n'a pas privé délivrer marchandises, pas privé combler à toute population par rapport avec question gang, question insécurité. En vérité, c'est qui ça qui cache derrière toute plaidoyer qui t'a fait depuis un mois, depuis tout mois d'août là, gain des diplomates haïtiens qui mettaient tête dehors, toute qualité monde son seul bagaille à parler, fuck mission, fuck force multinationale là, faut que transformer en opération de maintien de la paix. Gen plusieurs éléments nous ka considérer. Parce que pas oublier force multinationale là pas rien pour louer avec États-Unis, c'est li pas rien pour louer avec Nations Unies, c'est États-Unis et qui yo même yo te prend toute disposition yo, faut que yo voyon force en Haïti parce que yo tellement galé senti yo coupable toutes zamak bal qui sorti la caillou vinn jeune bandi yo pas bon ici etc etc. Et finalement nous ouais depuis plusieurs mois Kenya sous sol là. Kenya sous sol là nous tout a posé tête mon seule question côté résultat yo côté résultat Kenya qui ça Kenya a réglé etc. Jusqu'à date c'est des petits bilans à gauche à droite qu'a bail la police est souterrain la police dans Bel Air dans les opérations qu'a monté etc. qu'a mené mais en vérité qui ça yon opération de maintien de la paix qu'a porté pour Haïti. Nan moment là, jan insécurité a valé terrain, jan bandi yo a fait la loi fait les faits. Alors que Kenya te gen tan là. Faut moi di nou, c'est pas difficile pour yo ta transformer force multinationale en opération de maintien de la paix. Même j'ai te bon résolution qui prend en Conseil de sécurité des Nations Unies, yo a besoin États-Unis comme c'est lui qui a fait des marches, il a besoin faire lobby, il a besoin et chercher l'autre pays pour le rallier derrière avec et cause bien et puis même genre tout l'autre résolution qu'a prend dans Conseil de sécurité des Nations Unies pour transformer et force multinationale en opération de maintien de la paix. Cependant, quelle différence qui pourrait régner? L'autre parle d'une opération de maintien de la paix, premier bagage qui doit monter dans tête ou qui doit venir dans tête ou opération de maintien de la paix. Lui-même licencié gagner li plus rapide li gagne plus rapidité là-dedans dans intervention yo parce que si n'a regardé depuis les premiers contingents Kenya vini yo pral prend presque yon mois 15 jours presque un mois et demi pour un deuxième contingent rentrer et depuis lors pour que j'aime gagne contingent rentrer c'est seulement Kenya lorsque que l'autre pays qui dit yo même yo ta vle participer yo te prend des engagements etc. Non opération de maintien de la paix si troupes yo y'a débarqué par exemple 1er octobre si c'est 15 pays qui a gagné dans mission si c'est 15 pays qui a gagné dans opération maintien de la paix eh bien 15 pays yo y'a déployé en Haïti journée aujourd'hui nous c'est États-Unis qui mettent ti bagay dans fond basket pour mission pour opérer pour force multinationale pour bagay Kenya. Eh bien, dans le cadre de l'opération de maintien de la paix, il y a l'argent même dans les Nations Unies qui l'a. C'est tout le pays qui a collecté, qui a mis. Ce n'est pas en question si vous voulez, si vous ne voulez, etc. Parce que son opération de maintien de la paix qui vote dans le cadre de résolution. Mais quand nous passons des opérations de maintien de la paix déjà en Haïti, dernière date, nous avons gagné, ok, nous, après ministre finalé. Nous gagnons l'autre opération, nous gagnons l'autre mission, et nous gagnons BINU, nous gagnons MINIJUS, etc. Mais, dans le cadre d'opération,
nous te prenons MINUSTAH. Dernière date. OK. MINUSTAH. MINUSTAH rentré de 2004 à 2017. MINUSTAH passé tout le temps dans le pays. Après MINUSTAH fin ramasser tout bac clan tout les troupes yo à les missions et li fini eh bien nous pral remarquer on recrudescence bandi yo continue à multiplier bandi yo continue à prendre plus territoire bandi yo c'est comme si yo pas jamais fait rien contre même yo te seulement mettre yo non stade dormant et puis coopération cou MINUSTAH aller commission Nations Unies aller eh bien qui ça qui vient gagner. Nous vivons face avec une situation qui multipliait par 5, qui multipliait par 10. Parce que journée aujourd'hui, hein, bandi yo yo mieux armé, bandi yo yo gagné plus moun nan kan yo, bandi yo yo multiplié région que occupé en dedans pays en 10 ans, 14 ans de ça etc. Son situation qui vient plus difficile. Comment États-Unis kouni a li ka envisager à travers leur bio pral faire pour yo changer force multinationale là en mission Nations Unies, en mission opération de la paix, etc. Eh bien, gagné des responsables en dedans département d'État américain qui ont même parlé avec Miami Herald. Ils ont fait Miami Herald connaître que mission Kenya, c'est États-Unis qui sont financer mission en grande partie. Toutes dépenses, tout ça nous est cap vini là, c'est États-Unis qui baillo et par rapport avec situation ça, mission li pesait lourd, force multinationale li pesait lourd sous zobra de États-Unis. Donc et faut gros bagaille qui fait. Faut gros bagaille qui fait qui pour alléger responsabilité à qui pesait sur États-Unis mais tout qui pour permettre à ce que gagner plus pays qui déployer en Haïti pour vinn baillo coûte mais pour vinn porter et support yo by PNH. Eh bien, dans ce sens, qui ça yo dit? Yo fait qu'on est que le département d'État qui fait face au manque de financement et d'équipement réfléchit à la possibilité de transformer le soutien multinational à la sécurité dirigé par le Kenya à informer les législateurs américains de ses intentions, a déclaré une source proche du dossier au Miami Herald. Pour yo continuer, yo fait qu'on est. Plus de deux mois après premier contingent, le premier tout Kenya est arrivé dans le pays, hein? Yon force, yon mission, qui c'est États-Unis qui baille majorité l'argent, eh bien États-Unis, yon même yon a gardé possibilité pour une transition qui fait. Et transition ça, li suppose fait en coordination avec tout l'autre partenaire yon. Parce que oui, c'est vrai, c'est États-Unis qui baille cop, mais c'est pas seulement États-Unis qui fasse avec responsabilité dans ce qui a passé en Haïti. Yo continue pour yo di, yo mission de maintien de la paix nécessiterait l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU et on se demande si ses membres particuliers, la Chine et la Russie, la soutiendraient. Donc c'est ça que fait dans le commencement, te dit nous, États-Unis, li pral campé sou un bit lobby. Faut qu'il cherche l'autre monde pour le rallier avec démarche que l'Ibra l'initier, parce que c'est pas États-Unis qui prennent une décision de transformer force et Kenya en opération de maintien de la paix. Non, c'est Conseil de sécurité des Nations Unies qui pour voter, qui pour prendre une résolution et sous base résolution ça, eh bien, il pourra connaître exactement qui ça qui pourra le passer. Mais il y a un paquet de problèmes que Kenya confronté dans un moment là qui poussait États-Unis étudier possibilité ça. Le manque initial de soutien aux missions multinationales de la part de secteurs de la société civile haïtienne a certainement rendu de nombreux donateurs potentiels et dirigeants de missions très réticents à s'engager. Yo fait qu'on est, c'est du fait que gagne moun nan société civile là en Haïti qui yon même yon pa wè vini Kenya, yon pa wè présence policier Kenya yon ki sous sol la de bon oeil. Ça vin fait que des donateurs, moun ki ta suppose bay kob pou mission Kenya, eh bien moun yon di yon même yon fait bak. Parce que sou vin nan pays, citoyen pays, moun ka viv nan pays yon pa bien recevoir, yon pa considéro comme bienvenu. Eh bien nous même nous pa kal bay kob, nous même nous pa kal engager nous. Donc par rapport avec situation ça vinn gagner réticence. Mais yo aller plus loin pour yo dire
Mais au-delà de cela, il existe une lassitude évidente à l'égard d'Haïti. De nombreux donateurs se demandent si cette expérience la plus récente pourrait résoudre ce que les interventions précédentes n'avaient pas pu résoudre, a-t-elle déclaré. Nous avons l'ambassadeur Canada dans les Nations Unies, qui c'est Robert Rebobré, qui lui-même lui dit que l'altérine en Haïti, semaine qui s'est passée, lui a déclaré nécessité qui gagnait pour renforcer dialogue avec l'autre partenaire pour arriver à renforcer mission sécurité. Ya. Parce que ça, lui-même, lui-même, lui en Haïti, ya, eh bien, lui était quoi? En mission de maintien de la paix, c'est ça qui est plus évident, c'est ça qui est plus évident, c'est ça qui est plus favorable dans le moment. Mais si nous bien regardé, dans tout débat ça yo kap fait là, dans toute discussion ça yo kap fait là, ouais États-Unis, ouais Canada, c'est moun sa yo mandé qui ça yo ta remet, ça yo ta remet prend comme disposition etc. Mais yo pas jamais mandé haïtien yo qui ça yo vle, non? Et c'est ça qui grave là, oui. Yo pas jamais mandé haïtien yo qui ça yo vle. Moun yo pral mandé, yo pral chita discuter avec yo. C'est conseil présidentiel. C'est également gouvernement Konila, premier ministre. Demain, secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a prêtré dans le pays. Visite Anthony Blinken, non? Li marqué dans le contexte côté que dossier politique yo dans moment là, nous avons un conseil présidentiel qui dysfonctionnel, supposé gagner une sortie qui fait en dedans CPTA. Et deuxième bagaille, guitare violon yo pas fin accordé entre constante Kenya avec PNH. Et gagné plusieurs policiers, plusieurs groupes policiers qui ont même fait des déclarations pour montrer que yo pas fin trop bon, bagay yo pas fin trop douce. Donc, yo supposé le plus rapidement possible rétablir ça qui gagne là comme situation. Nous gagné chef mission Kenya qui parlait. Et là, nous prenons le principe sécurité, nous prenons le temps d'intervention Godfrey Otunge. Et tout de suite après, nous gagnons des considérations politiques, nous prenons le fait, et de visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Donc là, nous prenons le temps et garder ensemble avec moi tout détail, toute explication que Godfrey Otunge lui-même li a bay. Otunge dément les allégations selon lesquelles les policiers kenyans refusent de s'engager dans les théâtres d'affrontement avec les bandits. La PNH a obtenu de grandes victoires grâce à la force kenyane déployée à ses côtés, explique le chef de la mission, précisant que les officiers de la force étrangère sont présents dans plusieurs endroits de la région métropolitaine. Ces opérations vont se poursuivre dans plusieurs endroits de la capitale occupée par les gangs, a-t-il fait savoir. La mission se prépare à mener des opérations robustes contre les gangs. Our mandate as MSS, not Kenya alone, multinational security support mission. Le mandat du MSS, c'est pas seulement pour les Kenyans, is to support the Haitian police. C'est appuyer les polices haïtiens. To ensure we reestablish security in Haiti. Pour établir la sécurité en Haïti. C'est pas seulement les Kenyans, mais c'est la mission. And the mandate is very clear that we cannot work alone. We must work with Haitian police. Et le mandat est très clair qu'il faut toujours travailler avec les polices haïtiennes. And the mandate is very clear that we must ensure that we deal with the gang issue of Haiti. Et le mandat est vraiment très clair que les gangs, on doit travailler sur les gangs. Est-ce que cela explique le fait que des policiers se plaignent que les Kenyans ont peur de participer sur le fond? I can say with confidence that the Haitian police are our brothers and sisters and we work together as one. Il confirme que les policiers haïtiens sont nos frères et sœurs qui nous travaillons toujours ensemble. We plan operation together. Il faut la planification ensemble. We implement operation together. Implémenter les opérations ensemble. And we ensure that Haiti regains its glory pour together. Pour assurer que les Haïtiens aient la paix.
And therefore, those who are trying to bring propaganda that the Kenyans are not working together with the Haiti police. Ceux qui disent que les Kenyans ne travaillent pas avec les Haïtiens, les policiers haïtiens. Those propaganda will not see the light of the day. C'est le propagande, c'est rien du tout. C'est seulement le propagande. We work very closely from the DG, where we work together, DG and me. Nous travaillons ensemble avec le DG HMP. And our officers are working together and they are mixed together. Les policiers travaillent toujours ensemble. And they've been trained together. Ils ont fait la formation ensemble. And they share resources together. Et ils partagent toujours les ressources. And to make it much more easier, we are brothers and sisters. Et pour le faire, pour dire facilement, nous sommes des frères et sœurs. And again, MSS has not come to Haiti to compete with the Haitian police. Il dit clairement que le MSS n'est pas venu ici pour faire la compétition avec la police haïtienne, mais pour supporter. But to support the Haitian police. Mais le supporter. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les Kenyans dans le théâtre d'opération, ils refusent de combattre sur le front. Ce n'est pas vrai. Kenyans can never refuse to fight the gang issue in Haiti. Les Kenyans n'ont jamais refusé de battre les gangs avec les Haïtiens. The issue that brought Kenyans here is to fight the gang. Nous sommes venus ici pour combattre les gangs. It's not differ with the Haitian police. Pas la compétition entre les Kenyans et les Haïtiens. And we, as I said earlier, we are not going to fail. Et nous ne pouvons pas échouer dans cette mission. C'est clair. Whichever time it will take. N'importe quelle heure, quel temps. We'll have to reach our end state. Nous devons achever ce qui nous ont amené ici. And therefore, the Haitian population, the Haitian people. Donc il va assurer la population haïtienne. Should trust in us as MSS and HNP. Il faut croire en MSS et Haitian police. And we'll have to make Haiti new again. Il va avoir Haïti de nouveau. Voilà, make it new again, ok? La fait Haïti, retourner en nouvelle Haïti. T'es chargé. Make America great again, make Haiti great again. Donc c'est ça, Godfrey Otunge lui-même l'a déclaré. Donc si nous bien comprendre. Et tout ça, policier haïtien, yo tap bay comme information, comme quoi, policier kenyan yo pa vle continuer mener opération en Badelma, yo di yo pa recevoir l'ordre, yo replié, etc., etc. Donc, Godfrey Otunge, chef mission kenyan, li di c'est propagande, li di c'est bluff, li di c'est maniguette, li di c'est menti, etc. Mais, go bay qui est extrêmement important. Quoi qui est important? Parce que je dis, qui sa population tapton de Godfrey Otunge? Bon, mettez le bok. Voilà. Qui sa nous tapton? Nous tapton, bon mission, bon force qui vini là. Yo di yo vini pour yo rétablir sécurité en dedans pays. Nous tapton pour nous tende. Et grand ak soutien yo débloqué. Nous pas dit que gros baguette magique nan men yo reprenne yo tapani vini là et puis tout bagay change. Non. Mais au moins. Population tapton pour yon wè gon certaine volonté par bon côté acteur yo gagné des prises en charge qu'a fait gagné des suivis qu'a fait pour débloquer grand ak soutien yo pour débloquer situation pour la vie reprendre. Mais c'est pas Jean président Edgar te dit la vie commence reprendre non et pas dans bouche non c'est dans les faits pour madame Sarah yo ka descendre quoi beau sale. C'est ça mon yo apton. Comme chef Kenya a dit, la prêté là jusqu'à ce que mission par contre qui l'heure qui joue yo pralé mais faut mission yo accompli. Et gen bagay oui là parce que si c'est la mission yo fin accompli yo pralé donc yo gen la pour un bon titre parce que Jean yo commencé parti là, yo semblé mal parti et ça prend pile temps. Mais l'essentiel, population, peuple en soi sécurité, moun yo besoin sécurité. A
Haïtiens soient vives. Nous sommes regardés le bordel qui fait États-Unis là. En sérieux. M'a regardé parade. M'a regardé. C'est comme si c'est sous champ de massa, oui. C'est comme si c'est sous champ de massa, oui. Moun yo te tellement haïtien qui États-Unis yo. Moun yo sorti en foule. Moun yo vini en pile, en quantité pour yo vin enjoy. Yo pense que sous port coulant, c'est des groupes haïtiens qui tapent là. C'est un bagay haïtien, ouais. Moun yo senti. Yo pas la kay yo, c'est vrai. Mais yo retrouvé, yo rejoué un petit bout de bagay dans la kay. Le carnaval, le festival qui qu'on a fait, etc. Sous champ de mars, etc. Mais malheureusement, nous pouvons voir qui est car on bagaille comme ça qui fait la caille. Il y a un pile bagaille qui dit, il y a un pile moun moi qui prend position parce que yo Abdou garder ces des dizaines de milliers d'haïtiens qui allia ya koyo dans les bordés, etc. Mais premier bagaille me dit, mais moun yo gen droit yo pour amuser. Moun yo gen droit yo pour yo prendre plaisir yo. Avant nous voyer de l'eau pour nous dire si son manifestation, si son meeting, si son sitting, si son revendication que tu as fait, nous pas ta pour tout haïtien ça, mais comprendre. Oui, c'est vrai, nous besoin haïtien qui dans diaspora yo pour yo lever campé, pour yo mobiliser, pour yo ba États-Unis message, suspendre ingérence, suspendre fourer bouche et suspendre fourer quoi toute longueur dans dossier Haïti. Mais moun yo gen droit yo tout pour yo prendre plaisir, yo gen droit tout pour yo divertir, yo gen droit yo tout pour yo détendre yo en dépit de toute situation. Parce que gon bagay m pa vle n'blier, si la kay te bon, si la kay te gen sécurité, la kay ta fonctionné, moun sa yo peut-être c'est Haïti yo tapye. Et yo konnen tout, yo comprend tout nécessité qui gen pour Haïti changer. Yo comprennent nécessité qui gagne pour yo ta bataille pour changer pays yo. Nous seulement besoin engagement qui pour prendre pas bon côté yo. C'est pas critiquer di garder quantité moun kali ya ko yo nan et programme États-Unis, Haïti besoin etc. Mais c'est même yo même oui. Faut même moi nous pas coûte, c'est même yo même qui dans tout projet Haïti a fait oui, qui dans supporter famille, qui dans enterrement, dans mariage, dans communion, dans toute bagaille, dans payer caï, dans bailler manger, c'est même yo même. Donc oui bagaille difficile en Haïti. Nous besoin chaque grain petit pays. Hein. Nous besoin chaque grain haïtien pour camper dans bataille là. Mais ça pas vle dire pour autant pour nous suspendre vivre. Ça pas vle dire pour autant pour nous suspendre et enjoy nous pour nous suspendre prendre plaisir. Nous sinon n'a pas ni crétin camper tomber bip nous mourir. Et puis là ça y a dire j'abri manger nous. Est-ce que nous comprenons? Pendant n'a goumer pour pays, hein, pendant n'a défendre intérêt pays nous, faut nous déstresser nous, faut nous émotionnellement, faut nous créer une certaine stabilité. Ça a été important pour me faire parenthèse. Et pendant non, petit parenthèse, ça a été important pour me rappeler nous projet rentrée des classes. Parce que me dit nous depuis mois septembre rentrée c'est moi pour nous supporter timoun yo qui prend l'école. Année encore projet a li lancé. Objectif de parlant c'est river supporter 100 ti moun qui pral l'école pour nous bailler kit scolaire, pour nous bailler bag, valise, plume, crayon, boîte géométrie, j'en toujours faire chaque année. J'en toujours faire chaque année. Donc année ça encore et nous connaissons une situation difficile, rentrée des classes li programmé pour 3 octobre cap gen pour venir là. Donc j'en nous toujours faire c'est dans tête collée, c'est dans marathon, c'est dans coller les épaules, c'est dans solidarité nous toujours faire li. Et dans ce sens ça, li important ou même qui gagne volonté pour aider parce que chaque petit moun nous aider et qui pas perdu année l'école, qui joue une opportunité pour aller l'école son gros coup de main nous bay pays. Hein? Son gros bagay nous fait pour pays hein? Peut-être sans nous pas même rendre compte gen moun ki peut-être capable même rendre compte grosse ampleur leur participer dans un programme pour voyon ti moun l'école pour supporter un ti moun ki pral l'école son gros coup de mon bay pays ya. C'est peut-être potentiel délinquant potentiel bandou retiré dans la rue on pas jamais connaît li important donc m'attend nous ou même qui veut supporter ou même qui veut contribuer ou même qui veut bay coup mais pao année a pour inscrire non dans cahier projet rentrer des classes, pas hésiter, contactez-moi dans le numéro émission 38 96 38 19 pour nous participer ensemble dans aucune chaîne marathon si là. N'avance et dossier en pile. Maintenant nous avons des considérations politiques, nous pral faire non visite Anthony Blinken.
Parce que il y a des considérations sécuritaires, il y a des considérations politiques et même économiques et qui ka fait dans visite là. Dans conseil présidentiel et transition qui déjà dysfonctionnel là. Dans moment là, moi j'ai des séries de petits bambochers politiques et na excusez me dire la gueule comme ça. Des séries de vieux rats de Calais. L'on prend Nèg André Michel yo. Qui yon même se des opportunistes yon, tout bagay bon pou yon. Dans chaque situation, yon ap toujours cherché en façon pour yon paraître belle, pour yon paraître, comprenne? Pour yon paraître belle, pour yon paraître devant. Même la nèg yon fin led, yon déguise dans la politique la, oui, mais yon vle toujours survivre. André Michel yon li fait yon poste. M'sezi, m'boko jom m'sezi. Jusqu'à présent, se sisman nan kom. Parce que se même nèg sa yon pat vle. Pour l'ordre démocratique respecté en dedans pays hein, mais journée jodi an c'est yo k'ap parler de démocratie, nèg yo sans honte. Ah oui, nèg yo sans honte. On nous garde pas silence ensemble avec moi. André Michel qui fait définitivement la présence des trois conseillers présidentiels épinglés dans le scandale des 100 millions de gourdes de la BNC représente un facteur de blocage pour le processus de transition. Indépendamment des garanties judiciaires auxquelles ils ont droit, il faut une décision politique pour débloquer la situation. Nous connaissons papa yo, patron yo, boss yo, grand patron yo, a fini. Donc, si on prend recevoir visite, patron yo, on est depuis ces grands mounouye, ou met ti moun, ou get ti moun sous contrôle, ou get ti moun ou mette là pour faire un travail pour. L'ovi ni travail ou mette yo fè a. L'ovi ni ou jwenn travail lan pa fèt, travail lan pa respecté. Wap tape yo. Eh bien, ki sa krive? Gen nèg ki commence a pre kakò yo. Gen nèg ki commence a fè koyo fè. Est-ce parce que yo pa vle prè ti tap lan? Yo pa vle prè ti tap gran moun yo, patron yo, boss yo, ou comprenn? Et puis so attendé a la, même lè yo té ansanm nan séparé gato, yo get ap pralé koyo, yo di yo pa plave asèt lan. Yo manje a nan chodi a, ou yo di yo pa plave chodi a. Même le yo manje gratte an, ou nèg yo semente, yo pa foubi chodi a, yo pa plave l. Eh bien, dans ce sens, nous finis par comprendre, d'ailleurs, pour André Michel, là, bien entendu, c'est un certain, et comme si nèg yo ap cherché déresponsabiliser tête yo. Nèg yo ap cherché déresponsabiliser tête yo, nan sa kap passe a la, comme quoi, et fok Edgar Leblanc fils comme coordonnateur principal fok li pour une décision fok reste conseiller pour une décision parce que conseil est dysfonctionnel tout le monde a conseil est dysfonctionnel mais en nous sérieux c'est pas aucun acteur politique ou bien représentant structure politique qui pour venir faire coquer mesdames qui pour venir mettre audacieux de yo pour montrer que ces trois conseillers présidentiels sa yo qui impliqué dans scandale 100 millions de gourdes là et encore moi André Michel qui pou vinn bay discours sa yo parce que faut André Michel songe pa gen aucun côté dans constitution yo te parlé de un conseil présidentiel transition faut André Michel songe pour pas oublier c'est même lui même qui pas vle Jovenel Moïse rete faire mandat comme président peuple te voté donc journée jodi an faut nous même nous comprendre responsabilité nous gagner comme citoyen comme haïtien. Vagabond politique ça fin casser pont malheureux malheureuse qui fin casser caisse l'état yo pa gen nul droit pour y camper journée jodi an comme si yo gen crédibilité comme si yo gen légitimité pour yo vin dou que mais qui est-ce qui paralyse un conseil comme si dire conseil ça y a parlé de lien son conseil qui était fonctionnel son conseil qui t'a délivré quoi que ce soit comme marchandise vous voulez nous comprendre. Joue quoi que met damza, li la li temps pour nous commencer di nèg yo. Yo rive en côté, yo rive non kafou, faut que yo fon ti break. Vous comprenez, faut que yo teke souffrant parce que Jean Bagay la fête là, Jean Bagay la pralé là, li pa ka continuer comme ça. Donc André Michel nan démarche li, nan démarche blo fè la fè, li pa ko jam comprendre toujours, li pa ko jam ka senti toujours. Chaque coup bay, chaque coup font intervention, chaque coup li font approche sur question politique en Haïti. C'est absel mette sous clou parce que véritable cancer payant, véritable malignant, c'est même lui même encore. C'est même yo même encore en dedans conseil, c'est même yo même structure politique ça yo qui t'a choisi. Al prend l'ordre dans main blanc, al prend dicté dans main international là,
qui contribuait dans mettre pays à côté lié je ne je dis. Donc comme blanc vini, donc André Michel pour le montrer lui-même lui con volonté. Ça pas dépend de lui que Edgar le et que Gérald Gilles était pour accord 21 décembre, ça pas dépend de reste membre accord 21 décembre yo que conseil en dysfonctionnel, c'est Edgar Leblanc fils à crèche conseiller qui pour prendre responsabilité. Est-ce que nous en tout cas. Donc d'un point de vue politique, n'ego décidé avant même que Anthony Blinken li rive pour yo font coup de balai, pour yo passer balai, pour yo clean surface de manière à ce que le grand moun yo vini, les patrons yo vini pour pas gen trop parler en pile qui fait, pour pas gen trop tirer oreilles qui fait. Cependant, est-ce que nan moment n'a parlé à ligne bouge entre conseil présidentiel transition à gouvernement Gary Conil? Non. Non, Gary Conil toujours rete nan bopal et Gary Conil li rete ferme sous décision, pa gen aucune décision politique que conseiller président yo ka chercher influencer dans gouvernement la ka passé. Ça veut dire à travers ministre que conseiller président yo mette dans gouvernement là, eh bien nèg sa pa vin, Gary Conil pa accepte aucun coup de guidon, aucun coup de crayon mal fait atterri dans gouvernement là. Donc il était clair sous position. Bien, nous avons un dossier commissaire Muscadet, dans le moment qui a fait un pile tollé. A fait un pile tollé par rapport avec les gros accusations qui pesaient sous le commissaire là. Comme quoi, il a gagné madame ni, bon, maman petite li, que l'ta est maspiné, que l'ta onflé, bien onflé. Et déjà, gagné organisation RNDDH qui devant. Nous avons ça. Nous avons Pierre Espérance avec Muscadet, Céleta Citron. Nous gagnons également diverses organisations et cap défendre droit femme des groupes féministes qui ont même yo rejoindre RNDDH dans bataille que le décide mener contre commissaire Muscadet dans bataille que le décide mener pour retirer Muscadet dans juridiction Miragouane nan. Et bien mesdames organisation femme ça estimé et si gagne assez matière si gagne assez éléments à charge qui montrait, qui prouvait, qui justifiait effectivement commissaire Muscadet, l'état ronflé, bien ronflé Neftali, et bien, il faut gagner des suivis qui fait. Et dans ce sens, ça, tu as déjà gagné la première procédure que Muscadet a fait pour te porter plainte devant des instances internationales et des organisations qui défendent le monde international pour te mettre au courant de une quantité d'accusations. Des séries de familles moun ki victime dans juridiction Miragouane te mette sous do Muscadet. Et bien dans dossier ça encore étant donné Neftali et qui c'est dame qui fait petite à Muscadet li déclarer que et commissaire li menacer famille li menacer li même personnellement yo pa ka porter plainte pour commissaire yo pa ka poursuivre Muscadet devant tribunal devant instance dans pays d'Haïti. Et bien étant donné pour RNDDH qui voulait passer piro pour Muscadet qui voulait passer piro information qui rive joindre nous c'est que et bien comme yo fait connait que Muscadet constitue un obstacle pour ta gagner des suivis qui fait à l'interne devant tribunal haïtien yo. Eh bien, dossier ça, s'il le faut, il a fait des suivis dans l'international là, parce que Jean Sadi, dans la convention américaine relative avec droit moun, eh bien, de pour gen accusation sous dos, c'est un tribunal qui doit déterminer culpabilité ou bien innocence ou, eh bien, moun yo yo déterminer, yo mande enrager, faut que yo traîne Muscadet devant tribunal, devant juge et par rapport avec plusieurs dossiers qui pesaient sous le commissaire. Donc, dans la situation, ça, je connais, et moi, ça cap dit sur le réseau, il y a un pile, cause qui dit, et sous Pierre Espérance, mes amis, hey! Pierre Espérance, nous avons dit, mais est-ce qu'il y a une madame petite et proche qui a suivi ça qui a passé sur le réseau? Parce qu'à un certain moment, pas quoi tout le monde cap lapide un seul monde. Gros problème. Gros problème. Pierre Espérance, gros véritable problème. Fok, et faut que Pierre Espérance t'al font introspection. On comprend t'al font t'y rentrer dans lui-même pour le côté problème nan yé. Côté problème nan yé. M'tap tande matin, Robinson Pierre-Louis, yo te arrêté la question trafic zam. Qui lui-même qui dit c'est pas de l'obéi. Non, Pierre Espérance pas dit soudol, pas fait soudol. Tout pendant la prison avec Cherson Sano, Pierre Espérance après les Cherson Sano pour le dire la balle pour le passer dans le.
Déclaration ça yo, c'est Robinson Pierre-Louis qui fait yo. Et Cherson ça nous te déclaré bagay ça yo. Donc c'est pour me dire nous que bagay yo compliqué véritablement et pour commissaire Muscadet. Et oui, c'est vrai, commissaire a gen pile moun ki kanpe d'elle. Plus que jamais là, commissaire Muscadet gen pile moun kap supporte l. Parce que yo wè un complot, yo wè un piège, yo wè gros complot kap manigansé sous le commissaire Muscadet. Yo well, yo senti, yo pren senti. Et la fumée va aller descendre du feu. Donc, commissaire Muscadet, bah yo compliqué nan men, nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Cependant, dans la question sécurité, ya, ou karemè, ou karayil, Haïti dans le moment là, ou karale tout bagay pour dire commissaire Muscadet, li a outrepassé limite li, Jean-Pierre Espérance le fait comprendre, li fait quoi li. Mais nous pas nan nous pas non pays qui a fonctionné, nous pas un pays qui gon système justice et qui fort là dans lui. C'est bandi qui a fait la loi. Donc est-ce que nous kachita croiser bras nous quitter bandi vinn touyer nous la caille nous? Est-ce que moun miragwan kachita croiser bras et puis a dit a tande bandi? Non, faut que défendre tête yo. Et si Muscadet campé pour défendre yo, eh bien yo même tout yo paré pour défendre commissaire Muscadet. Et c'est là Pierre Espérance pas trop quoi, oui lui même. Eh bien, moun Miragwan, yo comprenn que yo vle fè Miragwan tout non territoire perdu. Eh bien, moun Miragwan voye di, autorité centrale l'État yo, même Jacques Pierre Espérance, c'est sous yo gran yo, c'est sous récif y a monté, si yo ta mwen commissaire Muscadet. Koze yo an pile. Nou genye de très bonnes nouvelles pour frontière Haïti République Dominicaine. Et dans ce sens, c'est ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis, c'est lui qui pral annoncer pays yon, gros disposition et bonne nouvelle li sota avec lui dans pays Brésil puisque yo reconnaît gen en pile zamak bal qui sorti en République Dominicaine pour vinn jeune bandi yo et bien un jour pral gen pour venir là yo pays Brésil pral bay gros coup de main et nous pral tande comment intervention pral faite. Et ministre affaires étrangères là c'est lui-même qui t'a cherché opportunité ça pour le porter pour peuple haïtien. Nous allons regarder et tendre ensemble tout détail madame Dominique Dupuis lui-même qui t'a bail. Toute série rendez-vous que m'était prend yo, c'était des rendez-vous pour relancer en coopération dans plusieurs secteurs qui ca permettre l'état renforcer pour prendre responsabilité dans tout pays pas seulement dans zone métropolitaine non. Il y a des projets que je tourne avec qui concernent l'Antibonite, qui concernent le département du Nord, qui permettent l'État à renforcer au fur et à mesure que nous avons fait des avancées dans le domaine sécurité. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, le gouvernement Sako là-dedans. Moi, après, nous avons rencontré avec le président tribunal suprême électoral brésilien. Une collaboration nous qu'a espéré pour soutenir le processus électoral là et pas boycé. C'est en priorité absolue et réunion ça était extrêmement intéressant et moi rencontré avec présidente là et ça moi ouais c'est que gagne soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li Kavin rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi a c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connait résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans processus électoral là. Donc au niveau logistique, appareil numérique, nous gain pile que nous ta ka apprendre et li manifester volonté pour que li mette et savoir-faire ça au service de population haïtienne. Ça c'est un. Deuxièmement, méthode, formation et staff personnel qui gain pour yo travail dans processus électoral là. Li accepter pour recevoir des cohortes d'haïtiens qui gavine prend formation au Brésil tout comme pour lui voyer des cohortes de brésiliens qui gavine faire des formations sur le terrain. Donc déjà un échange qui établi électoral en matière électorale. Et donc et appui ça, il est déjà conséquent et plus que ça, il montre nous que au Brésil le taux de participation extrêmement élevé parce que il a développé des mécanismes de sensibilisation à la question électorale au niveau civique mais aussi tout au cas dans tout coin la rue.
des banners, parce que vous avez une élection là dans une trentaine de jours. Vous avez une élection locale, ok? Dans 6000 villes, vous avez lancé une élection et tout côté où est des panneaux qui sensibilisent la population à devoir de vote là. Et ça, li promet nous, c'est que vous avez travaillé avec nous sur des messages qui permettent nous d'atteindre la population pour que nous sensibiliser, pour que la culture électorale là, qu'a renforcé. Parce que ça arrive, et nous discutons de ça dans le Brésil, là, le où passe tout le temps, ça va gagner élection, ou qu'a un désengagement, même si nous avons demandé élection, ou qu'a que pas une habitude électorale qui établit dans la tête de pour qu'on ait deux voix que vous gagnez pour aller voter, pour décider de destin comme peuple. Donc, là où lancer une campagne de masse, ou qu'a remobiliser des gens qui peut-être insensibles à nécessité de vote là et au pour maintenant accompagner nous en ce sens aussi. En parlant de cohorte qui gagne pour aller prendre formation et de cohorte qui vient by formation tout, vous avez annoncé que 400 policiers et haïtiens qui gagne pour aller prendre formation et au Brésil, surtout dans le contexte d'insécurité que nous y est là je veux dire là. Et qui mécanisme nécessaire qui en branle pour accélérer ces processus? Alors ça c'est une autre belle proposition que nous recevons de gouvernement brésilien qui accepter de recevoir 400 policiers dans un premier temps. Ça veut dire que c'est une porte ouverte liée. Okay. Maintenant, pour mécanisme, yo, et très prudent parce que ce n'est pas un domaine compétence, pas moi-même, ça me vient avec bonne nouvelle là, me vient avec des propositions. Hein, et représentation brésilienne en Haïti, déjà rejoint instruction pour que lien en contact avec autorité compétente yo, et ministère de la Justice, direction générale police là, pour que yo suivent ensemble comment qui jan qui le, li a optimal et puis qui est tout. Pour bénéficier de formation ça. Mais moi-même l'essentiel c'est que nous t'es allé, nous t'es font cas, nous t'es montré que c'est un appui que nous t'es besoin et nous t'es accepté, moi poté résultat ça. Alors en plus de engagement troupes kenyanes en Haïti, il y a des autres pays amis Haïti également qui étaient alors qui semblaient hésiter pour agir concrètement pour capable soutenir force là. Est-ce que vous avez une garantie clair dans les autorités brésiliennes concernant la contribution pays dans la bataille pour rétablir la paix et la sécurité en Haïti. Je pense que la question ça allait dans le même sens début de conversation. Il y a une réticence certaine sur la crise que nous vivons. Et c'est lui-même que je me dérèle, un certain désengagement que nous sentons. Il faut nous songer tout guerrier que la mission ça pas en mission onusienne. Et dans plusieurs cas, ça nous réalise c'est que format mission créer certaines contraintes nationales pour pays pour y participer là-dedans parce que y a pas fin connaît comment pour y inscrit tête yo tant au niveau financier qu'au niveau et ressources humaines pour y connaît qui rôle y a joué dans mission. Ça n'a pas empêché que nous gagne pile pays qui déjà engagé yo pour y proposer des hommes, des femmes et proposer tout des accompagnements financiers. Mais pour le Brésil, ça moi-même moi voulais retenir c'est que le Brésil comprend principe en même temps. Ils comprennent que sécurité pas faite seulement avec la police, seulement avec ZAM, seulement avec l'armée. Sécurité faite tout avec population. Et pour population qui a couru dans la lutte que nous avons menée, faut population qui a jump, faut qu'a gagne accès à un repas, faut qu'a gagne accès à soins santé, faut qu'a gagne accès à l'école. Et donc il y a une réunion que nous senti qui était assez important, c'était avec ABC, qui c'est l'Agence brésilienne de coopération, côté que eux-mêmes, ils ont déployé un éventail pour dire nous, OK, dis-nous côté priorité gouvernement, Chita, Kounia, et puis nous-mêmes, nous avons renforcé automatiquement. Et je vais aller plus loin avant. Question contre bonne frontière, là. Hier, nous étions en conseil de gouvernement et nous parlions de ça. Si pour nous, on a un exercice fiscal qui vient, côté que nous avons des recettes qui conséquent qui can faire permettre l'État faire face à la responsabilité que le gagne yo faut que nous ca couper contre bonne toute perte ça yo n'a fait sous frontière là. En bien Brésil son pays qui gagne 10 frontières. Li ont expert en question gestion de frontières. Automatiquement nous t'es soulevé point ça avec yo, yo dit nous très rapidement yo ca venir accompagner nous pour gestion et contrebande sous frontière là. Donc ça c'est un exemple concret que m'ka di qui lié à question sécurité là comment nous connaît très bien qui bon zam yo passé en grande partie yo passé par frontière là tout. Donc, une fois qu'on gon accompagnement pour gérer frontière là, ou gon accompagnement pour juguler en source d'insécurité. Donc insécurité elle est transversale et li attaquer, li contaminer toute sphère la vie sociale là. Donc on pense que vision ça permettre nous ouais
que le Brésil va courir nous dans plusieurs aspects, notamment la santé, notamment l'éducation, notamment la formation des policiers, notamment courir l'effort que nous gagnons pour nous camper contre le Banan. Et ensemble d'efforts, ça y est, sont certains pour aider nous et répondre à la crise sécuritaire. Là. Et voilà, nous sommes des ministres des Affaires étrangères, là, Madame Dominique Dupuis, qui lui-même, pendant passage dans le pays Brésil, quand elle a participé dans une conférence, lui profiter chercher des opportunités pour le pays d'Haïti. Dans la question de sécurité, dans le domaine élection, dans le domaine santé. Eh bien, suivant ça qui dit, ça que le premier ministre Gary Conille était promettre, ça qui prend comme disposition, comme grand chantier, conseil présidentiel, transition à gouvernement, eh bien, demain, ça, yon rentre dans un cadre pour yon porter solution à problème pays, à problème population, et par rapport avec question insécurité, gang, par rapport avec la misère, par rapport avec droit, nous gagner pour nous accès à bon gens soin la santé, etc. Donc, demain, ça, yon inscrit dans le cadre. Mais, ça qui est vraiment intéressant, c'est prendre bon jeu de disposition pour contrôler frontière Haïti-République dominicaine. Et point ça, c'est important. Le fait que le ministre des Affaires étrangères a profité de passage dans le pays Brésil pour chercher l'autre partenaire qui a aidé Haïti gérer question frontière et venir faire formation pour militaires, faire formation pour policiers, pour les fronts, bayo capacité, bayo reprendre, bayo plus, bayo plus bagage, bayo plus tactique, plus stratégie, faire training avec eux pour aider eux, penser ça contribuer non bagage en plus. Regardez comment le facile ou est dimanche pour nous voir comment Dominicain il vient intercepter un camion juste dans caoutchouc, juste dans gentio yo mette cocaïne, yo mette drogue, yo il vient intercepter yo. En Haïti, zam a rentré dans bout de sac, zam a rentré dans bout de marmite, bal a rentré dans bout de marmite, dans bout de sac yo on y rentré. C'est comme si c'est dans savon, n'a pas gain contrôle, pas aucun bagage qu'a fait. Donc l'important. Donc m'espérer que non seulement pour gagner des formations qu'a fait, mais c'est des formations continues qui pour permettre que nous gérer territoire là, nous gain contrôle territoire là et que pour nous suspendre la sécurité pays nous sur contre l'autre monde. Comprendre sous bonne volonté l'autre monde. Donc ça est important. Nous gagner dans dossier ULCC, hein, nous gagner Aviol Fleurant, ancien ministre planification, même j'en nous gagne 13 diplomates et qui impliquaient parmi eux, pas de titan ou Léon Charles passé dans OEA, dans tête OEA comme représentant permanent et Haïti dans OEA, eh bien Léon Charles, il fait corruption. Il fait corruption, même j'en étais dans PNH, te gen mauvais cause que t'as dit que t'as fait. Eh bien, c'est même pratique, il fait partie de moun. ULCC voye rapport pour ta gagner des suivis qui fait pour ta mettre action publique en mouvement contre moun sa yo pour y al remettre pays al remettre l'état sa yo volé et puis ba yo prison tout. Donc ULCC yo présenter rapport yo remettre rapport. Cependant ULCC a fait face avec gros problème leur travail yo enquête yo remettre rapport yo rapport ça c'est dans tiroir yo rete rapport ça c'est poussière k'ap manger yo. Rapport ça c'est pour et poussière qu'a manger parce que pas gain suivi et surtout dans moment là juge instruction yo mandat yo fini majorité dans yo mandat yo fini à peine deux ou trois juges instruction qui en siège donc tout rapport ça c'est rapport yo pral mettre dans un tiroir yo pral mettre dans un dépôt pour filare rien prend yo pour poussière manger yo jusqu'à ce que yo ta décidé. Premier ministre Gary Conille dit qu'il y a une volonté pour le combattre la corruption. Et c'est là que l'ULCC met des pieds longs dans le soulier, ni conseil présidentiel transition. Est-ce que vous pouvez pencher sur le rapport ça yo, pour yo nommer des juges qui pour prendre siège, qui pour faire suivi avec le dossier ça yo, qui pour continuer faire instruction dossier yo? Qui ça bagaille yo pralye? Bal la nan pie Gary Conille, Napton, monsieur le PM. Non, c'est ça, nous gagnons Aviol Fleurant. Aviol Fleurant, ancien ministre planification. Eh bien, qui gagne en pile causé, ah oui, c'est des millions de gouttes que Aviol Fleurant retire dans la caisse l'État. Aviol Fleurant, depuis la rentrée, et notre tête ministère de planification, ULCC pral découvrir, c'est l'oie que diamant seulement l'acheter. Ti bag, ti chaîne, ti goumette, ti monte, ti bracelet.
C'est l'Oak Jamon seulement, ancien ministre le mettait. Donc, non sans ça, Matéan Bonheur, à Viol Fleurant, l'étape baille lui-même des explications, des détails par rapport avec accusation, par rapport avec gros accusation qui pesait sous dol comme gros papa corruption, comme gros chat. Donc, l'important pour me quitter nous tendre et tout détail que l'étape baille, c'est là nous pral comprendre, nous pral ouais. Même moun ka fè mal lan, depi se mal wa fè, on jou pa pou yap kenbo quand même. Nan déclaration an Viol Fleurant fè yo, pa kache di nou. Jouen, li nan gros livre pou wè ge bagay kap di ba yo pa fin clé. Ge de explication, ge de détail que la bay ki pa fin clé. OK? On nou al tande ensemble tout explication ancien ministre planification, hein? Chat de pied, li même li ta bay an ale. Pardonnez-moi. Bon Dieu permet moi fou comme mais moi investi comme là monsieur aux États-Unis il y a pas comme exemple un modèle voilà un avocat qui sortit de l'arrière pays de Wana mais parce que mon Wana m'a crié mon papa m'a crié talem investi comme là qui ça faculté de droit de Port-au-Prince parmi les meilleurs étudiants de ma promotion, des deuxièmes de ma promotion. Après ça, je me gardais, mal en France, je fais des études même à distance, je me fais doctorat, comme avocat, je me dis avocat au paquet de grandes institutions, la congrégation des frères du Sacré-Cœur, m'avocat l'Église catholique, m'avocat plein Haïti, m'avocat concern worldwide, je fais pile dossier succession. Il faut pile dossier pour paysans. Paysans et même. Patron paysans. Mais Daviol, ou t'es avocat Brasque la couronne tout? Pas Brasque la couronne. Dans le premier litige là, vous faites état d'un certain Dodi Théogène Joseph que vous présentez. Dodi Théogène Joseph, très bien. Que vous présentez comme. Herschel Joseph. Que vous présentez comme frère, grand frère et Hans Ludwig Joseph. Que vous présentez comme. Je dois préciser que le tal dans le jugement, il y a la gueule dans l'assise criminelle. Ok. Parce que je me besoin qu'on ait un rapport ça qui suite et juridique qui te baille contre lui. Le tal dans le juge Chabanetien, te voyez d'autres juger aux assises criminelles. Eh bien, il y a la gueule dans l'assise criminelle parce que témoin qui te pour le vin parler, hein? Il était mort dans la COVID, c'était bureau. Il était mort dans la prison, c'était Hugo. Même pas, vous comprenez, c'est Sam qui a dit. Donc, okay. Il est libéré, donc il est clean. Très bien. Ok. Donc, c'est le clean, cher maître. On ne peut pas le rapport parce que pour ne pas faire un pile de. Non, avant, mais c'est le clean. Ça veut dire que la justice n'a pas retenu rien contre lui. Pour qu'il soit venu ensemble avec le dossier, ça, et vous mettez le sous table là, comme on litige. C'est lui qui a changé. Écoute, la justice, je vais vous dire une chose. Pascal dit l'affection ou la haine change la justice de face. Tout comme l'affection ou la haine, si on se remet, c'est dans l'ordre pour le tabay. Il y a le tabay. Il paraît même, il y a l'autre qui pour montrer que Aviol s'est volé. Aviol pas bien volé. Ok? Maintenant, bon mal dans le rapport. On a la conclusion rapport. On a le rapport. Qui menti, directeur général du LCC, a fait sous. C'est peut-être ça que nous l'avons connu. Après, ça n'a pas de tout. Nous parlons de tout. Il dit que M. Aviol Fleurant s'est enrichi illicitement et ne peut pas, au ministère de la Planification, et ne peut pas justifier raisonnablement la provenance de la somme 75 207 339 gouttes, soit calculé en dollars américains, liban 563 909 dollars américains. Pendant le ministre, je prends seulement deux dossiers. Mon dossier me fait, qui m'a dit de signer un contrat avec client, un dossier 200 000 dollars américains, c'est Hans qui signe avec client. Me fait 200 000 dollars américains. Et c'est avec tout que je t'ai ouvert compte. Cabinet Fleurin a une banque là que me déposé. M'gon l'autre dossier. 200 000, oui, m'dou, m'dou, ça ne m'a pas justifié. Il dit 563 000 dollars américains. M'gon l'autre dossier. Que me fait 250 000 dollars américains là-dedans.
$450,000 sous cabinet Florent seulement. M'pral prendre dossier monsieur Cola lotissement que me font pile lotissement en pile client capacité à déposer sous compte moi. Gagner en pile vis caché dans rapport. L'homme qui va dire déposer tout comme ça yo cash. Faut ta fermer toute banque en Haïti parce que banque yo mal propre. Parce que banque a fait la corruption. Pas bon monde qui a déposé comme ça au cash. L'on a gardé nos rapports. Même que tu montres que ça ne dit pas justifier. Dans l'espace de 2 ans et demi que le ministre fait plus que ça. Ça veut dire, il ne dit pas qu'il dit que le joint volé comme l'État. Mais il dit que je ne peux pas justifier $663,000. Or, nous avons deux dossiers. Même ça devant là. Mais ni là. Regarde. Ce contrat signé entre cabinet Florent, représenté par Hans Joseph et une institution de la place, Mbapsi Enol, pour $200,000, il fait 13 décembre 2016. Institution signée Hans-Sien. C'est Hans qui représente le cabinet, pendant le ministre. C'est pas, je mets troisième contre Hans Gavem. L'homme fin pas ministre. Mandé le rapport, gestion cabinet. Dis pas qu'à monsieur, les n'a gardé au monde qui a battu pour détruire au monde. Yon a fait de $663,000 que au monde dit pas qu'à justifier. Yon cabinet senior, quel que soit grand cabinet de la place, bon pas citer non. Bon, dès que tu as dit cabinet ma distinct. Je ne dis cabinet Vandal. Je ne dis cabinet Meuse. Il a fait 3 fois ça dans l'année. Moi, je n'aime pas le ministre comme Florent, avocat. Mette Florent. Je fait 250 000, 300 000 $ américains. Là. Oui, ok. Mette Florent. Alors, rapport à il fait état de ensemble de enquêteurs qui sont en où. Et oui. Dans quatre déclarations de patrimoine ou déclarer seulement 5 comptes bancaires alors que très bien, pas répondre. Et famille a gagné au total 16 comptes côté que l'argent a monté descendu pour qui ça qui ça me garde sur ça. Ok, rapidement, ULCC remonté à des comptes que m'étais ouvert pendant même m'étais étudiant faculté de droit en 1994. ULCC allé vers des comptes en 2005. Puis fort contre ça, c'est des comptes dormants. Il n'y a pas bon goût sous yo. Vous connaissez, je vais te dire. C'est Aviol Florent, je vais compte. Aviol Florent, goutte dollar. Cabinet Florent, goutte dollar. Ça bon 4 comptes. Vous allez parler de madame, là, je vais compte Loutnia, goutte dollar. Madame, je vais cabinet d'avocat parle, qui est le business advocate. Qui gagne 12 gouttes dollars, ça t'a de bon 8 gouttes. Maintenant, pour qui sont l'autre compte, qui pas existé, qui dormant, qui existait, mais qui dormant. M'te acheté une machine dans Scotia Bank. Non, m'te acheté une machine dans Berman, c'est Scotia Bank qui t'est financé. M'te obligé ouvrir un compte dans Scotia Bank pour me payer. Là, m'fin payer, m'ferme comme ça. M'pas utiliser le compte, m'ferme non, m'pas utiliser. En 2010, m'acheté un Santa Fe. Et qui est-ce qui finance? C'est BUH. Malgré que mon client Unibank et CG Bank, qui c'est que me préférer, deux banques pas que me préférer, mais comme c'est BUH qui finance, j'ai ouvert 2 comptes dans BUH. Là, je finis payer tout le financement machine, je n'ai pas utilisé comme ça encore. Je dormant. En 2015, mal acheté yon Prado. Mais qui est-ce qui finance? C'est BUH encore. Moi, retourne sur. M'faut deux autres comptes. M'pas utiliser compte dormant. Non, mais Florent. Rapport à tout pas déclaré Prado, non? Non, j'ai appris Prado. C'est pas vrai, mon cher. Mais non, mais rapport à dit lui. Non, rapport pas, je me dis ça. Mais ça le dit. Mais ça le dit. Baldo, ça le dit. Gagné 2 machines. Sorento m'tache en 2005. Motel crasé. Sous mon tête de bus comme journaliste,
bon garage Pedroa, ou après le campé dans l'arrière depuis plus de 4 ans. Son machine qui n'est pas utilisée. Mais tu déclaré le patrimoine entrant. Mais le patrimoine sorti, je n'ai pas déclaré parce que la machine n'est pas fonctionnelle. Même Santa Fe, comme tu déclaré entrant, Santa Fe a mis le modèle sorti, la main dans la couleur, il n'a pas fonctionné. Je n'ai pas déclaré aux machines qui sont hors d'usage. Je pose une question. Je réponds une question. Je dis pour qui ça, dans la déclaration de patrimoine sorti, je ne vais pas mettre parce que ce n'est pas fonctionnel. Malgré ça, je ne pas rapporté, je plutôt venu par une menti pour dire que je fais exprès, je ne pas faire déclaration. Vous comprenez? Je encore, pour les comptes dormants, je explique que ce sont des comptes dormants. Si vous ne pas utiliser, vous ne pas déclarer. Est-ce que vous pas doué... Et pour qui faites sous compte ça, juge? Pardon? Oui. Alors, dans période, alors rapport à la période où des ministres, là, quand dorment, on va parler, il y a des dépôts qui fait sous eux, et il y a même des dates que des dépôts ont fait. Bon, qui compte Mabdo, on a les, qui compte dorment, et qui combien comme qui fait sous lui? Ah, vous me chercher. Vous mettez parler, ma boy, on a les. Même préparer cahier, moi. Non, vous mettez parler, ma boy, on a les, c'est d'appeler, là, d'aller. On a les. Vous comprenez? On t'a parlé. Je m'en viens ensemble avec vous. Ok. Mm-hmm. Maintenant, les vices cachés encore du rapport. Monsieur, bagaille ça. Cabinet Fleurant. Cabinet Fleurant. Au sujet de compte numéro 33 00 01 12 36 12, domicilié à la Banque de l'Union et haïtienne, ouvert depuis le 29 juillet 2011, dont Maître Aviol Fleurant est le titulaire. Durant la période su-indiquée, il a déposé sur le dit compte la somme totale de $42,366 et 77 centimes. Ok, là, du période sous-indiquée, en aller, période sous-indiquée. Non, la parle de période 2016-2018. Uh-huh. Ça veut dire, nous, mon ministre, mars 2016, m'est tombé septembre 2018. Nous fait 2 ans, 6 mois. Pendant 2 ans, 6 mois, vous déposez $40,000 sur mon compte. Sous-divisé par 18 mois. Bon, regarde, 40 000 divisé par 18 mois. Qui ça on ne pas faire là? Qui sont pas faire? 40 000 divisé par 18 mois, si tu as calculé par mois combien là bas où? Donc, ça veut dire que c'est une volonté de nuire, une volonté de d'altérer la vérité. Vous comprenez? Maintenant, $40,000 divisé par 18 égale. C'est comme si par mois où tu as déposé $2,222. Qui ça un professionnel dans Koumba Café sous lui? Un avocat senior que mieux. Bon, pendant le ministre, monsieur dit m'baka justifier $569,000. Je prends 2 cas seulement. Presque arrivé la donne pour 3e dépasser. Pour qui ça? Et pour l'autre menti le bail. Quand tu fais dans son monde dit. Ou fait dépôt en espèces, good ou bien dollars, ou bien on fait dépôt cash. Regardez, pas qu'on banque capable d'accepter pour déposer tout comme ça au cash. Sinon, on fait fermer mon vieux, mes amis. Ma prends l'autre fait, qui est important. Cabinet incendié, 13 septembre 2017. Qui est-ce qui a le fait constat incendie cabinet maintenant? Maître Anne Joseph qui est représentant Aviol Fleurant, représentant cabinet Fleurant. Il y a 2 machines qui boulaient devant. Porte d'entrée à bouler. Les Maître Anne souhait ça. Parce que Mounio promet pour le retourner. C'était une manifestation budget criminel. Contre budget criminel. Mounio allait, Anne allait lui retirer tout dossier pour si Mounio tourner pour le cabinet à pas bouler. Kounye a. Les documents administratifs, les vins pas ministres, les documents financiers, que les clients payent, même des mettre en compte,
jusqu'à présent, pour qu'on a bon document administratif financier, pour me dire combien de croix, pas de me battre là, que client au bail, pour me capable justifier devant ULCC mes pauvres nations. Mais heureusement, moi-même, le méchant fait une œuvre qui le trompe, ou du moins, bon Dieu, toujours sauvé un citoyen. Moun qui te fait constat, c'est Hans. Hans pas bon rapport. Hans déplace dossier, Hans pas bon jambon, fiche de paiement client, etc. M'pas jamais dit que Hans prend comme cabinet, non? C'est important de le signaler. Mais moi dit que Hans pas jambon rapport, que tout document pour m'ka justifier, m'a des dossiers, ça y'a pas là encore. Dont le dossier qu'on a, et autre dossier, m'pas jamais dit que yo fait magouille avec AFEM. Je reste. Moi même pas tant qu'aux autres, m'pas shooter sous moun. Tout ça m'a dit ma vérité. Donc, l'on parle d'AFEM devant ULCC ou dit justifier ça, parce que tout le monde qui dépose sous compte moi, c'est ou bien par chèque. S'il t'a va rarement au cop en espèce, par exemple, m'pral dou en espèce cash, c'est des clients qui t'a fait lotissement. Et puis, moun al déposé comme sous compte moi. Maintenant, le procès verbal de constat que Hans fait, c'est lui qui couvre pour qu'il montre que il y a une impossibilité matérielle pour m'dava démontrer certains documents administratifs et financiers. Mais M. Fleurant. Mais les dossiers sont là. Même si il y a un contrat qui signe que c'est Hans qui signe. M. Fleurant, excusez-moi. Oui, rapport a dit que lors de ces auditions, alors, lors de tes auditions dans CASA, mais ma, comme c'est rapport à Mablé, rapport à lors de ces auditions, alors lors des auditions de Aviol Fleurant, et suivant le mémoire déposé à l'intention de la commission d'enquête, l'ancien ministre de la planification et de la coopération externe, M. Aviol Fleurant, a évoqué l'incendie de son cabinet comme obstacle l'empêchant de soumettre les documents administratifs et comptables à l'appui de certaines transactions. Pourtant, lors de sa première audition le 7 juin 2024, il a parlé de tentative et non d'incendie complet du cabinet. La tentative d'incendie est également certifiée par le procès verbal de constat dressé par le juge de paix de la section sud de Port-au-Prince, maître Jean-Claude Mondelus, le 13 septembre 2017. On commente mettre sur ça. Parce que vous parlez d'incendie. Oui, incendie de cabinet Fleurant. Ou même vous parlez d'incendie, procès verbal que et Jean-Claude Mondelus dressé le 13 septembre 2017. Là, il dit tentative. Il dit c'est tentative. Faux. Mercredi 13e jour du mois de septembre 2017, nous mettons Jean-Claude Mondelus sur la réquisition verbale du cabinet Fleurant représenté par M. Andrew Joseph. Le tribunal de paix s'était transporté à l'avenue de la Martinière, déférant à cette réquisition, accompagné de notre greffier, Pancho Lubin, avons lu sur le mur perpendiculaire l'entreprise principale du bâtiment en question, cabinet Fleurant. Avons vu et constaté devant le cabinet deux véhicules complètement calcinés, dont l'un apparemment est une Jeep Toyota de modèle RAV4. Et l'autre, une pick-up double cabine de modèle Ford, de Mac Ford, modèle Ranger. Les plaques d'immatriculation sont illisibles. Mais ça, M. Hans dit, la déclaration de M. Hans, il s'agit d'un incendie criminel qui affecte à la fois la clientèle, la chalandage et la réseau social. Bon, Hans lui-même, il dit son incendie, et bien, de rappel, là, il dit son tentative. Donc, vous êtes en ouais, son nec qui combat, contre moi. Ma porte est procès verbal, ça va nous lire. Procès verbal, là, c'est pas Hans qui dresse. C'est juge de paix, section sud, pas au président. C'est maître Jean-Claude Mondelus. Un avocat, maître. Monsieur des hommes, vous parlez à un avocat. Là, on a métier. Juge l'a fait constat matériel. Il dit, mais tout ça, je ne dis pas. Il joue depuis porte cabinet à bouler tout. Mais Hans lui-même, Hans dit, c'est un incendie criminel. C'est Hans qui a dit. Pas gagné par tout ça. Continue, est-ce qu'il y a un dossier qui disparaît? Oui, Hans, allez, il était peur pour moi. Moi, je le dis à retourner. Hans prend tout dossier important, yo, il a le mettre ailleurs. Maintenant, il a retourné, il a dossier pas retourné. Je ne sais pas si c'est en fouillé, même pas joué.
Lem vin pa ministre ma jwenn yo. Bon mando ça avant nous rete dans fond rapport là avec Ronald. Et où t'es qu'on a eu tout problème ça yo avec DGULCCA qui ses cousins pour qu'ils sont pas fait ça la loi mando, est-ce que pas gagne aucune porte de sortie pour récuser bon oui qui ça t'a qu'à faire comme cher maître ULCC en fait la récusation loi dans code pénal code procédure civile son bagaille ou fait les tribunaux de première instance les tribunaux les juges ULCC, ce n'est pas une instance de jugement. Oui. C'est une raison pour laquelle je ne peux pas récuser. Mm-hmm. Et pour l'autre bagaille, si je ne parle pas devant Hans, pas de monde qui connaît que Hans a tout le bagaille contre moi. Je ne parle pas de ses cousins liés, c'est blanchir, besoin blanchir. Si je parle mal prouvé, bonne foi, pour me connaître, est-ce que celui qui a bénéficié de mes bienfaits, reconnaîtra le bienfaiteur dans la vérité. Je ne vais pas demander le faire pour moi. Même demander le dire la vérité. Et voilà. C'est ça, oui. C'est comme ça qu'il y a fait. Les gens qui ont fait une volée comme ça. Ils ont tout le monde qui ont fait une crasse. Qu'est-ce que l'État a toujours cherché une façon pour laver la tête, pour clean la tête, comme si les médias étaient le tribunal. Eh bien, ton, avion le faire un console pour le faire. Pour le ton, le juge commence à insulter aussi, puis il aurait l'aile. Et puis là, ça, pour le défendre de tête. Donc, ce n'est pas monter sur le réseau alors qu'il n'y a pas de cas. Ou pas de cas, bail ULCC, ou pas de cas faire lumière avec l'enquêteur ULCC, ou sur ensemble de questions. Yo t'a posé, ou pas de cas répondre, qu'on y a prétendu, ou qu'à répondre sur le réseau, qu'à répondre dans le micro la presse. Donc, qui ça t'a fait plus bien? Et bien, ULCC, c'est pour ta bay réponse, pour ta permettre que yon comprenne plus bien quand on fait quoi bout. Vous comprenez? Si yon kete ULCC, c'est pour ta bay bon réponse, yon. Non, c'est dans la presse. Avec dit, yon prenne nous pour macaque, yon prenne nous pour égaré. En tout cas, faut que des exemples qui commencent à tracer, faut que yon commence à marier voler. Faut que voler yon prenne code. Compatriotes, moi, c'est là n'ap rete, c'est là n'ap mette un bout dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous porter information sur la pour vous rester connecté à la chaîne. Rendez-vous à Cassé dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle épée, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.